Merci à vous, messieurs, aussi. Oui, oui. Merci. Lara Fabian. Merci. Merci. Bonsoir, Lara. Bonsoir, Jean-Pierre. Je suis content de te voir parce que c'est vrai, c'était le 26, 24 novembre, je crois. Exactement. Ici même, pour une spéciale Lara Fabian. Et tu as annoncé ton départ vers les États-Unis, puis ton tour d'Europe qui se passe en ce moment. Et ce soir, c'est une escale dans ton tour d'Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis si longtemps? Presque 6 mois. Beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, beaucoup de pays, l'Espagne, l'Italie, la Suède, la Norvège, beaucoup d'endroits. Et puis, beaucoup de découvertes à travers cette musique. Et alors, on t'a suivi, on est allé voir un petit peu comment ça se passe, parce qu'ici à Paris, on sait très bien ce que tu y fais, puisque lorsque tu es à Paris, tu viens chez nous pour chanter, comme on l'a vu ce soir, applaudi par un public des Années Tubes. Mais on va voir un petit peu de quoi est composée une journée de Lara Fabian. On est allé dans la capitale la plus proche de Paris, Londres. Alors tu veux bien? Avec plaisir. Alors attention, plaisir. David est allé te suivre pendant 24 heures.
télé. Ensuite, on a de la radio anglaise, des journalistes japonais. Et puis, on a une séance de photo avec OK Magazine. Tout ce qui est image, ça, en général, ça me plaît. J'aime bien parce que c'est, d'un pays à l'autre, c'est très, très différent. Donc, en ce moment, je découvre que d'un pays à l'autre, les gens ne traitent pas du tout ton image de la même manière. Une image qui s'exporte. Depuis 6 mois, Lara Fabian parcourt le monde avec en poche son premier album en anglais. Déjà numéro 1 du des clubs aux États-Unis, c'est aujourd'hui sur Channel 5 dans l'émission This Morning qu'elle est très attendue. Reine du zapping, elle a déjà participé à plus d'une centaine d'émissions télé avec des moments forts comme ce duplex en direct relayé par satellite avec le Japon. It's a second nature. It's something I don't have a problem with. It's like. Freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Du bist richtig hübsch. Ou encore le très réputé Top of the Top en Allemagne. Même si Lara parle couramment le français, l'anglais, l'espagnol et l'italien, elle s'adapte tant bien que mal aux ambiances et aux styles. Tu vois, par exemple, en Espagne, il y a 5 fois plus de gens sur le plateau, ça crie dans tous les sens, et en espagnol, on dirait, c'est assez épique. Les Italiens aussi, c'est le même genre d'organisation. Par contre, les Américains, c'est très, très organisé. Très organisé aussi, son planning, ses moindres faits et gestes sont planifiés. Là où Lara passe, le public s'embrase. Quand vous pensez à tout le travail qui a été fourni pour ce premier album en anglais et au formidable accueil que nous avons reçu dans des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, la Suisse et même les pays scandinaves, c'est vraiment fantastique. C'est une belle récompense. Et à raison de 5 séances de photos par semaine, Lara prend la pause et fait le point. Il y en a une ici que je trouve vraiment sympa. C'est un éclat de rire et puis c'est comme ça que je suis en général. Qu'est-ce que t'as de plus qu'une autre ? Rien. Rien. Je pense que je suis volontaire. Quand il y a de la passion et quand il y a vraiment de la dévotion pour ton métier, et les artistes qui voyagent comme ça, qui travaillent comme ça, doivent en avoir parce que t'es tous les jours dans un avion différent, tous les jours dans un hôtel différent. Tu aurais fait une vie, ça, quelque part ? Mais c'est celle que j'ai choisie, en tout cas. Ouais. Une vie à 100 à l'heure qui lui laisse le temps de signer des autographes et de résumer sa vie en 10 chiffres comme 10 ans de carrière. Dis ça. 10 ans de travail. Moi, si tu m'avais dit 12, je t'aurais dit 12 ans de travail parce que j'avais 18 ans quand ça commençait, donc 12 ans. 9. Le chiffre chanceux. 8. Un chiffre qui marque le côté un petit peu infini des choses, l'éternité. 8 ans, c'était le conservatoire, t'es rentré à 8 ans. Tout à fait, j'avais 8 ans. 7. C'est pas un chiffre que j'aime. 6. Moi, j'ai 6 millions d'albums vendus. Tu vois, ouais, les maths, c'est pas mon truc. 5. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? C'est l'âge auquel tu as annoncé à tes parents que tu voulais chanter. Absolument. 4, on est 4. J'ai l'impression qu'avec mon père, ma mère, Rick et moi, on fait vraiment une véritable famille. 3. 3, les 3 mousquetaires. Rick Anderson, Liz Richard. Et moi, on forme une espèce de trio assez démoniaque. Et 2. 2, l'espoir de l'être un jour. 1, je dirais première fois. Et j'en vis tellement des premières fois. Il y a tellement de premières fois dans ma vie, je dirais que c'est probablement ce qui est le plus énergisant. C'est la première fois. Une journée, je dirais presque comme une autre, hein, dans ce tour d'Europe que tu mènes depuis quelques mois déjà. Une question quand même, parce que tu disais, les Espagnols, il y a beaucoup de bruit, les Anglais sont comme si, les Américains sont très rigoureux. Et nous, alors, comment est-on, nous, lorsque vous êtes, vous êtes à moi et vous me manquez beaucoup. Ah, ça c'est très gentil. Ça c'est très gentil. L'album est sorti il y a 3 jours, c'est ça, aux États-Unis. Donc on croise les doigts pour cet album en souhaitant qu'il y ait autant de succès aux États-Unis qu'il en a partout en Europe. Hein. Et puis cet été, il faudrait bien qu'on aille t'applaudir un petit peu partout aussi. Bien, qu'est-ce qui va se passer? À partir du 6 juillet, on commence une tournée à travers toute la France, et puis on va en Belgique aussi, en Suisse. Et je vais donc avoir le plaisir de faire mes vacances sur scène. Voilà. Ça c'est une bonne chose, avec une grande formation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut déjà connaître on est une douzaine de personnes sur scène, et c'est les musiciens qui travaillent avec moi depuis des années, que tout le monde... Tu sais, c'est la première fois que je fais une vraie tournée d'été comme ça, donc ça va être une première fois, encore une, avec la famille qui est derrière, qui est celle qui me suit depuis 10 ans, donc ça va être très chouette. On ira t'applaudir, Lara, compliment. Merci. Pour cette chanson, extraite de l'album. Merci. Et puis, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup.